T'as besoin de crédit pour t'acheter des joueurs ou finir en SBC, je te conseille IG Vote, 15% de réduction avec mon code promo AXOSKILL8, lien et tuto dans la description. Transforme ton forfait téléphonique en jeu vidéo avec AlloParadise.fr. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais écoutez-moi, ça va nickel, hein. En même temps je vais pas te dire que ça va pas, hein. De toute façon je fais toujours la même intro. Faudrait que je fasse un copier-coller de mes intros, au moins je me ferais plus chier à la refaire. Le sujet n'est pas là, bref, aujourd'hui ben, c'est la suite du top 100. Vous avez été nombreux encore une fois à me dire de continuer cette série. Ben écoutez, moi je la continue, hein, tant mieux. Sauf que là, eSport nous balance seulement 10 places. C'est la 40e place à la 31e, je crois, quelque chose comme ça. Et à l'heure où je vous parle, il est 19h, il n'y a pas de bug. Du moins normalement. Ah ben si. C'est exceptionnel. Tu cliques sur le lien où il y a marqué 40e à 31e place. Ah ben y a pas, c'est incroyable. Les gars, c'est bon, ça marche. Ouais, ça a mis un petit peu de temps. Il est 19h05, ça va, bon, eSport est un peu à la bourre. C'est pas bien grave, la première carte qu'il nous propose, c'est Eriksen, qui a une carte tout simplement monstrueuse. J'ai même pas mis 3 secondes à la regarder, mais ah ouais, tu sens la différence par rapport à l'an dernier. 5 étoiles du mauvais pied, bon ça c'est comme l'an dernier. 4 étoiles en geste technique, et tu sais que ce joueur, il mériterait 5. J'ai vu une vidéo de lui avec Touzani, hein, pour ceux qui connaissent pas Touzani. C'est le mec qui a mis la toute première vidéo sur YouTube. Enfin, du moins, l'un des premiers. Sa vidéo, elle date d'il y a 15 ans où il jonglait là avec la musique. Bref, les gars, pour ceux qui l'ont pas vu, ben, je vous conseille. Hein, vous regardez Touzani, il a une chaîne YouTube et il fait un excellent travail et j'adore ce qu'il fait. Il a invité Eriksen et c'est vrai que techniquement, il est chaud. Après voilà, c'est de l'entraînement, hein, en match, pas sûr qu'il mérite 5 à Eriksen, mais en tout cas, son 75 de vitesse, son 84 de dribble, son 78 de tir et son 88 de passe, ça va faire très très mal. En tout cas, c'est vraiment une bonne carte et en plus Eriksen, c'est un joueur que j'apprécie, donc c'est vraiment tant mieux. Ensuite, on a Arturo Vidal, qui a une belle carte, quasiment pareil que l'an dernier. Il perd un peu de vitesse par contre, à part ça, c'est pareil. C'est vraiment une belle carte, très très solide, en haut, en contribution. Bah écoutez, hein, ça change pas, c'est la même carte quasiment. On retrouve Marcello, qui a perdu de la vitesse, je pense, un petit peu, un ou deux points. C'est dommage, hein, après il garde ses 4 étoiles, ça c'est bien. Le gros problème en fait, c'est sa vitesse, c'est trop peu. 78, c'est dommage, il mérite plus. En plus Marcello, je pense qu'il mérite un bon 82, un truc comme ça. Pour l'avoir vu hein, jouer, il est quand même rapide, il a une sacrée accélération, Marcello. Bref, enfin, c'est une bonne carte, hein. Il est quand même intéressant. Juste un petit peu plus de vitesse aurait été parfait. Edinson Cavani, 87 de général, qui prend un up du coup, 77 de vitesse, 83 de tir, 80 de physique, 80 de dribble. C'est correct, après Cavani, ça n'a jamais été le joueur le plus rapide, donc je pense que sa vitesse s'est justifiée. Même le reste, hein, une bonne note en passe hein, pour un buteur, c'est pas mal, 72. Par contre, je l'aurais mis plus en défense, Cavani. C'est vrai, hein, c'est un mec, tu le regardes, regarde-le bien. Quand tu regardes un match du PSG, oui, du PSG, même de l'Uruguay, hein, après, bon, tu regarderas plus fréquemment un match du PSG que de l'Uruguay, mais tu regardes ce joueur quand il perd un ballon, ou même quand il joue, tout simplement, tu regardes que lui, tu fixes que lui, il garde des sens super bas. Et je pense qu'il méritait un bon 50 en défense. Après, là, je fais le mec, je chipote, mais bon, en même temps, voilà, c'est des stats, hein, c'est normal de faire attention aux détails. Pogba, bah, qui descend d'une note, par contre, il garde ses 5 étoiles, ça, c'est bien. J'avais peur qu'il chute, hein, on sait jamais. C'est bien. Pogba garde ses 5 étoiles avec une carte vraiment pas mal. C'est la même que l'an dernier, hein, à part qu'il bah, il chute d'un point. Mais bon, c'est pareil, hein, je crois pas qu'il y ait de note qui change un petit peu, si, sûrement, mais bon, ça va être un poil de cul. La vitesse, ça m'a l'air d'être pareil. 5 étoiles, voilà, c'est ce que je retiens. C'est parfait. Et à mon avis, il risque de coûter cher, du coup. Oh, les gars. Oi, oi, oi. Kanté, 87. Archi mérité. Et encore, il mériterait peut-être un peu plus. Parce que, ouais, parce que c'est Kanté. Il a été élu meilleur joueur de Première Ligue. Il a une carte monstrueuse. Il mériterait même un peu plus sur ses notes, sur les 6 notes. Mais 87, c'est archi mérité. Si ce n'est plus, les gars, je suis vraiment content pour ce joueur. Qui va être vraiment archi vu, bah ouais, tout le monde va l'utiliser, enfin il va être cher au début, hein. Il va être très cher, à mon avis, il sera sûrement en animation, après je sais pas comment va marcher le système des packs, mais ça sera un joueur hyper coté, hein. D'ailleurs la preuve, hein, il est 35e au classement. On s'approche de la fin, les gars, Verratti arrive.
Oh putain, il a 3 étoiles. Oh non, c'est une blague. Mais Verratti, pourquoi tu lui enlèves une étoile? C'est pas en une saison qu'il a perdu de sa technicité, au contraire. Alors peut-être qu'il a pris cher face à Isco, mais quand même, tu lui enlèves pas une étoile à Verratti, surtout que tu le sais très bien qu'il est technique. Justement, son étoile, sa 4e étoile, il avait gagné sur fut 17, je crois. Et il la perd. Pourquoi? Pourquoi les gars? Je suis super déçu. Bon, après, c'est pas grave en soi, parce que Verratti, c'est un joueur que j'utilise pas, et que d'ailleurs toute la communauté n'utilise pas. Il est trop petit, ce joueur, il est trop petit. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui joue avec Verratti, mais je trouve ça dommage qu'il perde une étoile. Enfin, surtout, je trouve ça idiot, en fait. Il n'y a pas de raison, tu vois, il n'y a pas de raison. Ah, je suis déçu, mais bon, c'est pas bien grave. Après, c'est une bonne carte quand même, hein. Il est très bon en dribble. Ah, attends, il lui augmente en dribble, mais il lui enlève une étoile. Pourquoi? eSport, si vous voyez ma vidéo, dites-moi pourquoi. Donnez-moi une bonne raison, merci. Bref, Boateng, 88, qui a une carte toujours aussi monstrueuse. Il perd un point, il avait perdu un point avec la mise à jour hivernale. Il est à 90, il est passé à 89 et sur fut 18. Il sera à 88, 75 de vitesse, 88 de défense, 84 de physique, une bonne relance. C'est très important, les gars, la relance. 4 étoiles du mauvais pied, tu peux le faire jouer à droite ou à gauche de la défense centrale. Moyen, moyen en contribution. Mais écoutez, Boateng, ça sera un joueur que j'utiliserai au début si j'ai les crédits, bien sûr. Hein. Bon, avec ce qu'on va packer, à mon avis, il y a des chances. Je vous le dis, les gars, je vais sûrement mettre 36 000 points. J'économise mes trucs sur Halo Paradise depuis 2 mois et je pense que je vais mettre 36 000 points. Ça pourra faire une bonne vidéo et puis bon, ça nous permettra d'avoir vraiment du contenu dans notre club. Et à Boateng, c'est juste monstrueux, quoi. C'est juste monstrueux, rien à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mesut Özil, qui ne perd pas son étoile en geste technique, qui perd la vitesse un petit peu. Après, c'est pareil, Özil, c'est un joueur qu'on voit jamais, en fait. C'est un joueur première ligue, mais jamais. Jamais on l'a vu. J'ai jamais joué contre Özil, les gars. Enfin, du moins, j'ai pas souvenir, tu sais, que ce joueur-là m'ait mis du sale et m'ait fait vivre des cauchemars sur fut. Tu sais, si je te parle de cauchemars, je parle plus de Son, je parle plus de Mané, je parle de Kanté, David Luiz. Mais tout ce qui est Ozil, même Cassorla, c'est des joueurs que tu vois pas. Et tu sais très bien pourquoi, hein, c'est la vitesse. Et le physique aussi, hein, qui est très faible. C'est dommage parce qu'Ozil, c'est tellement un bon joueur de foot. Hein. C'est comme Busquets, hein. Bon, c'est pas le même poste, c'est pas le même registre. Mais en fait, c'est des joueurs qui sont monstrueux IRL, mais que dans le fut, tu n'utilises pas. Et je trouve ça tellement regrettable, en fait. Après, à voir, hein, attention, on n'a pas testé FUT 18, hein, ça se trouve, ça va peut-être changer, hein, ces joueurs-là seront utiles. En tout cas, je l'espère, parce qu'Ozil, c'est vraiment un joueur que j'apprécie, et ça serait vraiment bien de faire du sale avec. Mais écoutez, les gars, on s'approche de la fin, hein. Il nous en reste une, les gars, ça sera Yann Oblak, entièrement mérité. Il a failli rejoindre le PSG, ça aurait été parfait, parce que niveau gardien, je trouve que c'est un petit peu faible à Paris. Mais c'est entièrement mérité. Et là, les gars, je vais encore faire le mec. Mais en même temps, c'est le but. Hein, on analyse des stats. Handanovic à 87. Et si je me souviens bien, il a 87 en plongeon, 87 en réflexe et 87 en positionnement. Oblak, lui, a 3 points de moins en plongeon et en réflexe. Une fois de plus, pourquoi eSport? Alors, je sais, les gars, que la note générale, ce n'est pas une moyenne des 6 notes. C'est en fait la note générale, c'est selon les performances de la saison. Ça n'a rien à voir. Je le sais, les gars. Mais si logiquement le joueur a une meilleure note globale, une meilleure note, la note en haut là que tu vois en haut à gauche, il doit avoir des meilleures notes sur les 6 trucs, on est bien d'accord. Donc ça c'est un grand mystère qui est, bah, c'est eSport, voilà, après on ne sait pas tout. J'aimerais bien avoir une explication les gars, en tout cas j'espère que cette analyse, enfin plutôt ces joueurs vous ont plu. Que vous aimez toujours ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes saoulé une fois de plus. J'ai vu que ça plaisait, donc moi les gars, je continue, moi je vous dis, hein, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça m'arrange. Après, je sais que ça manque un peu le gameplay. Je pense que demain, à 14 h, j'ai des vidéos d'avance, je vous mettrai un petit gameplay. Voilà, j'ai 2 vidéos gameplay d'avance. Je vous en mettrai une, comme ça on verra ce que je ferai le soir. Si je vous présente les 10 autres joueurs qui seront présents dans ce top, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, je ne l'ai pas demandé de la semaine. Voilà, ça mange pas de pain, comme dirait ce Kairi. Et puis voilà, allez les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Ça fout de putain de focus de merde. Et on se dit à bientôt, ciao tout le monde. Tell them it's a knock, no, so. I never feel a shot, I'm up with a contact. Tell them it's a knock, no, so.
No, God, never.